Connaissez-vous, connaissez-vous, connaissez-vous. Mesdames et messieurs, connaissez-vous. Afrique de la liberté, connaissez-vous. Connaissez-vous rapidement, connaissez-vous, chers frères et sœurs, connaissez-vous, commencez à pomper le pouce bleu, commencez à partager cette vidéo très capitale. Un artiste malien arrêté en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe à Côte de Liberté? Prenez vos tabourets parce que l'heure est très très grave. Connaissez-vous, pompez le pouce bleu, partagez la vidéo. Je vous salue depuis vos différents bords. Connaissez-vous, partagez la vidéo, je vous prie. Alors, mesdames et messieurs, Afrique de liberté, chers amis, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers peuples d'Afrique, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien en cette journée, donc de mardi 5 décembre 2023. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous demander ici et maintenant de non seulement protéger la vidéo avec des pouces bleus, mais il faut la partager. Partager l'information du jour parce que elle est très capitale. Parce que l'information est capitale, vous devez la partager. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été reconnaissant. Dramane Ouattara ne sera jamais reconnaissant. Alassane Dramane Ouattara ne changera jamais. Alassane Dramane Ouattara, mes chers frères, mes chers sœurs, ne changera pas. C'est pourquoi Alassane Dramane Ouattara va, et c'est une obligation. Bientôt, il va tomber, ce n'est pas un débat. Alassane Dramane Ouattara pense que la Côte d'Ivoire, là, c'est sa propriété privée. Dramane Ouattara pense que la Côte d'Ivoire, c'est pour son papa, c'est pour sa maman. Aujourd'hui là, voyez-vous, ceux qui l'ont aidé à être là où il est, Ouattara n'est pas reconnaissant. Ouattara non seulement les a tous éliminés, mais Ouattara, c'est-à-dire ses frères, ses soeurs, mes frères, mes soeurs, d'autres pays qui ont aidé Alassane Dramane Ouattara à être là aujourd'hui, Ouattara ne veut plus sentir en tout cas qui que ce soit. Si tu es malien, tu es burkinabé, tu es guinéen, il faut éviter la Côte d'Ivoire actuellement si, en tout cas, tu as cette cote. Parce que Ouattara ne veut plus, à cause du travail bien fait de nos chers Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tchiani, à cause du travail bien fait, abattu pour l'Afrique de demain, Ouattara est contre, non seulement les comptes, mais il est en train de, aujourd'hui, faire subir toutes sortes, en tout cas, de choses à ses ressortissants depuis la Côte d'Ivoire. Cet artiste qui a été arrêté. Que reproche Alassane Dramane Ouattara à cet artiste qui a été invité pour faire la promotion de son album à Boaké? Il a été arrêté, mesdames et messieurs. On va vous expliquer, vous allez comprendre. Alassane Dramane Ouattara, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Dis-nous, toi le bravoutier, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Mais Yoramain, Abana, Yoramain, ça là, c'est ça qui est la vérité. Toi, le bravoutier, tu as peur? À cause de quoi? À cause de qui? Mais ça sera sans bruit, toujours je le dis. Sans bruit. Ça, là, ce n'est pas un débat. Chers amis Afrique de liberté, si c'est la première fois que vous nous prenez en marche sur cette plateforme panafricaine, je vous demande de vous abonner. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est très important. Abonnez-vous, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Écoutons ensemble cette vidéo rapidement. Et si on a encore le temps, on va intervenir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que oubliez, en tout cas, évitez la Côte d'Ivoire actuellement, hein, évitez la Côte d'Ivoire pour ne pas avoir de problème avec ce vieux bandit, ce vieux inconscient qui est en Côte d'Ivoire, qui pense que la Côte d'Ivoire, là, c'est sa propriété privée. Évitez la Côte d'Ivoire, mais c'est pour un peu. Ce n'est pas pour longtemps, c'est pour un tout petit peu moment, et bientôt, en tout cas, ça sera fait, ce n'est pas un débat. Partagez massivement la vidéo, invitez vos amis rapidement, écoutons la vidéo, et à tout à l'heure, on y va. Il n'est pas venu de lui-même, hein. Il n'est pas venu en Côte d'Ivoire clandestinement. Il y a eu la promotion. Il est venu en Côte d'Ivoire officiellement pour venir chanter à Boaké. Invité par la population. Donc maintenant, vous l'avez mis aux arrêts là. Il faut maintenant dire aux gens, à ses parents, aux Maliens, à l'ambassade, nous avons arrêté votre ressortissant, un artiste international malien. Voilà pourquoi nous l'avons arrêté. Nous l'avons arrêté avec des armes. Nous l'avons arrêté avec de la drogue. Nous l'avons arrêté parce qu'il préparait un coup d'État. C'est simple comme le bonjour. Ou bien je me trompe. Éric Degenève, comment tu vas? Voilà. Oui, Éric de Genève, Steve Biko, il est actuellement à la Maca.
directement à la Maca. Ils l'ont envoyé à la Maca. Il s'y trouve. Voilà. Cette information, nous l'avons. Il se trouve à la Maca. 48 heures après le discours du président Bobo Lona à Lakota, qui était tenu le samedi dernier, et je suis passé, pardon, lundi, Sibiko, c'est lundi dernier, pardon, Sibiko a apparu comme par magie, n'est-ce pas, à la Maca. Donc, il se trouve à la Maca pour l'information que je te donne. Donc, frères et sœurs, c'était pour m'arrêter là. Demain, nous allons partir en profondeur sur ce dossier concernant un artiste malien arrêté en Côte d'Ivoire. C'était ce que je voulais vous partager comme information. Je pense que certains sont au courant. Moi, je ne sais pas, j'étais pas au courant. Ah ouais, j'espère que vous êtes au courant. J'espère que Jean-Marc Bose, vous êtes au courant que il commence, les Maliens, je vous demande d'éviter la Côte d'Ivoire. Il faut que vous évitiez la Côte d'Ivoire au maximum parce que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, il faut éviter la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont dans une phase terroriste. Ils vont kidnapper les Maliens et les Nigériens dans ces pays-là. Les artistes, les personnalités, les ressources, évitez ce pays, le pays, la Côte d'Ivoire. Mettez comme zone rouge. Ça, je vous le dis. C'est vous, hier, vous avez aidé Alassane Ouattara. Vous avez aidé les RDP pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est eux qui se retrouvent contre vous. C'est vous qui avez aidé Ouattara. Sa famille était hébergée au Mali. La femme détenue, Birama Ouattara, aujourd'hui, c'est une Malienne. Vous avez aidé, n'est-ce pas, ceux-là à prendre le pouvoir. Le Burkinabé. Le Burkina a servi de base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire pour que Ouattara soit candidat. Les rebelles étaient à Pau. Le président Blaise Compaoré, à l'époque, appelait Babo Lora pour lui dire que les gars sont là. Donc, frère Burkinabé, vos pays-là ont servi à ces personnes aujourd'hui qui sont ingrates. Oh, merci beaucoup pour les 3 000 étoiles. Ah, je viens d'avoir de l'argent ce soir-là. Merci beaucoup, Lydie Ekoulou. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lydie. Merci. Donc, merci beaucoup, Lydie. Donc, vous voyez que ce soir, ce que je peux vous dire, évitez ce pays-là. Si vous n'évitez pas ce pays-là, ces gens-là, ils n'ont jamais été reconnaissants. Je vais vous dire une chose. Les faits sont là. Les faits sont têtus. Je vous prends un exemple. Le président Bédié, paix à son âme. Ouattara l'a humilié. Il a fait coup d'État au président Bédié. Le président Bédié a tout accepté. Le président Bédié a tout encaissé. Il est mort avec la colère dans son cœur contre Ouattara, qui l'a humilié. Lui qui a aidé Ouattara quand il était aux États-Unis. Anaké Kobina a également fait la même chose. Il a aidé Ouattara à prendre le pouvoir. Anaké Kobina a été humilié par Ouattara. Je vous donne les exemples. Hein. C'est important. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ici dans la. Je suis pas ici pour flatter les gens, pour avoir de la visibilité. Moi, je veux être quelqu'un. Parce que vous êtes des pères, des mères, des familles. Regardez les 1h du matin à Paris. Vous prenez votre temps pour me regarder. Mais ce temps-là, il ne doit pas venir si vous distraire. Il doit vous devenir dire la vérité de ce qui est vrai, de ce qui est concret. Pour que vous-même, quand vous coupez la caméra là, vous-même, vous partez vérifier pour voir est-ce que ce que cela a dit là, c'est vrai ou c'est faux. Vous faites une comparaison croisée. Et à vous maintenant de tirer la conclusion. La thèse, antithèse et la synthèse. C'est à vous. Le jugement, c'est vous qui n'êtes pas les juges de Facebook. C'est vous, nos juges. C'est vous qui déterminez la pertinence, la perficacité, les mensonges, la manipulation des uns et des autres. Donc moi, je vais être vrai envers vous. Je vais être concret avec vous. J'ai pas besoin de venir qu'on se trouve à 100 000 personnes connectées alors que j'ai un gros menteur, un boni menteur. Non. Je veux vous donner ce qui est vrai. J'aimerais vous demander, je vais vous montrer des faits avant de couper la vidéo. Quand je dis que M. Ouattara est un ingrat, ce n'est pas une injure, ce n'est pas de la délation, ce n'est pas de la fabulation, mais c'est le fait. Je reprends. Le président Bédié a été humilié par Ouattara. Il y a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Bédié a pardonné. Ils ont créé les RADP ensemble en France en 2005. Ça, c'est un. Il a promis à Bédié qu'ils allaient prendre le pouvoir après 2 mandats. Bédié a fait appel de Daoukoro pour lui en 2015. Après, Ouattara a dit qu'il n'a jamais promis à Bédié. Bédié est parti il est parti de la tombe avec cette colère-là. C'est le un. Je prends Anaki Kobina. Anaki Kobina, il est membre, il est MFA. Celui qui a donné pardon au président Bédié pour qu'il vienne faire alliance avec Ouattara en 2005. Puisque Jacques Chirac, l'ancien président français, paix à son âme, avait dit, n'est-ce pas, à eux tous, que si vous voulez que Babo tombe là, il faut que vous fassiez une coalition de l'opposition solide contre Babo. Et donc, ils ont fait une coalition en 2005, les RHDP. Bédié ne voulait pas. C'est Anaké Kobina qui a demandé pardon au président Bédié plusieurs fois afin de faire fléchir sa position. Anaké Kobina a donné même sa voix à Ouattara. Il n'a jamais été récompensé, comme les accords le préconisaient. Ouattara a promis à Anaké Kobina une institution, c'est-à-dire que soit la primature, soit comment dirais-je, la médiature ou bien la chancellerie, et puis 4 ministères. Quand ils ont eu le pouvoir en 2011,
zéro ministère, zéro institution. Et je vous informe, Ouattara est venu ici en France, il est quitté en Égypte, il a appelé Anaki Kobina, il dit que je vais te voir 48 heures à 15 heures. Ils se sont vus ici à Paris. Je vous donne ici les preuves parce que je suis un sachant. Ils se sont vus. Ouattara dit que non, que c'est BD qui me dit de ne pas te donner l'aide des ministères. Et donc, ce que je te propose, il était avec Amadou Kompé à son âme. Ce que je te propose, c'est que chaque mois, je te donne 55 millions, tu vas, n'est-ce pas, prendre ça pour payer, n'est-ce pas, pour entretenir, n'est-ce pas, tes cadres et ton parti politique et le local que vous avez. C'est ce que Ouattara a promis parce qu'il dit que Bédier, n'est-ce pas, c'est à cause de Bédier, pas ne donne pas de poste ministériel. Je continue encore plus loin. Ouattara a promis cela à Anaki. Il a donné ça pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Et puis, il a arrêté. Où je parle là? Anaki Kobina est vivant. Il vient d'écrire un livre à la Saint Ouattara contre la nation ivoirienne. Allez-y lui poser la question de ce que sur le Paris dit. Il peut porter plainte contre moi pour diffamation. Allez-y lui poser la question à Anaki Kobina, ce que sur le Paris dit que Ouattara, la promesse qu'il lui est faite, et que Ouattara n'a jamais, n'est-ce pas, respecté la promesse, alors qu'il lui apportait pas sa voix. Mabi Toqueuse, c'était pareil. On a pour que Mabi Toqueuse a quitté le RHDP. Il y a aussi Kablan Dekan. Ça fait déjà 5. Kablan Dekan. Ouattara a promis à Dekan. Il était vice-président. Il a démissionné le parti. Et ce n'est pas fini. Il y a encore lui qui vient des partis qu'on appelle Abdourahmane Cissé. Il est parti. Il était comme, n'est-ce pas, une reine sans couronne. Une reine sans pouvoir, la reine d'Angleterre. Il était à le palais présidentiel. Tout ce qu'il avait, mais comment dirais-je, le téléphone est trop chaud. Mais quoi, chut, mon téléphone est trop chaud. C'est bizarre quand même. D'après, attends, je vais mettre économie d'énergie, voilà. Voilà, on dit mon téléphone est très chaud. Donc, il a mis qui? Il a mis Abdourahmane Cissé. Il est où aujourd'hui? Il est parti. Parce que Ouattara a menti à Abdourahmane Cissé. C'est lui-même qui avait même démissionné. Il a quitté la Côte d'Ivoire avec ses enfants. Parce que Ouattara a menti à Abdourahmane Cissé. Mais n'oubliez pas, il y a Ouattara. Lui qu'ils ont tué, ils ont empoisonné. Il a tout donné, sa vie, son âme, tout pour Ouattara. Il a été empoisonné. Le jour qu'il voulait aller se faire soigner, sortir du pays, ils ont retardé, n'est-ce pas, l'autorisation de sortie du pays. Parce qu'ils voulaient que, n'est-ce pas, le poison le consume. Ils voulaient que le poison, n'est-ce pas, le ronge. On a vu comme il était amaigri. Parce qu'ils l'ont empoisonné. Il n'est pas le seul. Il y a quand Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Ibé, qui a également été garde du corps de Ouattara, qui a donné l'ordre aux forces républicaines de Côte d'Ivoire d'aller le neutraliser, c'est Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas fini encore. Je vais continuer avec, n'est-ce pas, les choses. Il y a Sou Toussoul qui est en prison. Sou Toussoul qui a combattu le pouvoir de Gbagbo. Sou Toussoul qui a été nommé ambassadeur par Gbagbo. Sou Toussoul qui a pris le cercueil de Gbagbo, mais à Bouaké, devant l'ONU ici, tellement qu'il avait l'amour de Ouattara. Sou Toussoul qui a donné sa maison à Bouaké en 2010-2011, parce que la Côte d'Ivoire était sous embargo et les armes étaient interdites. Parce que embargo de l'ONU, Sou Toussoul a donné sa maison pour qu'il vienne mettre les armes là-bas. Mais ils ont pris les armes là pour dire que Sou Toussoul veut faire coup d'état, alors que c'est Ouattara qui a pris les armes. N'oubliez pas ce que je vous dis. Hein. Il a mis Sou Toussoul en prison, il a amnistié en 2018 avec Simone Gbagbo. Souvenez-vous, Sou Toussoul, qui a pris ce que de Gbagbo a été mis en prison là qu'on a 20 ans, lui qui a donné sa vie, sa jeunesse à Ouattara. Mais il n'est pas le seul. Herman, il est en prison aujourd'hui. Il a fait son combat. Quand ils ont signé les accords entre les rebelles, et le premier accord là, où il y avait Thierry Fauzier, et chez Ousmane, il y avait Herman là. Il était là pour le cesser le feu à Bouaké. Ils ont fait ça pour Ouattara. Herman est en prison. Tous les ceux qui se sont battus, les dossiers sont en prison. Les gens battus sont en prison. C'est qu'on fait le combat de Ouattara. Je vous dis que vous puissiez comprendre. Mais le summum, c'est qui? C'est Guillaume Soro. Il est où aujourd'hui? Même Blaise Compaoré, laissons Guillaume sur le président Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui a permis à Ouattara d'avoir sa base arrière au Burkina Faso. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, il est humilié par Ouattara. Il ne peut même pas sortir. Il est caché chez lui parce que Ouattara dit que si tu bouges, n'est-ce pas, il vient te rapatrier, n'est pas au Burkina Faso. Blaise Compaoré que vous voyez là, il a terminé, il est comme un caniche ancien en Côte d'Ivoire parce que Ouattara, c'est dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais été reconnaissant. Est-ce que c'est terminé? J'ai terminé avec une dernière. Guillaume Soro, il est où aujourd'hui? Lui qu'on appelle rebelle. Rebelle de quoi? Vous avez vu un jeune de 26 ans, de 29 ans, 27 ans, un étudiant en Afrique, enfant des pauvres, pour aller payer une Kalachnikov. Une Kalachnikov coûte combien? Ça coûte combien? 150 000 francs CFA à l'époque. Actuellement, c'est plus que ça. Un jeune, un étudiant, peut prendre l'argent ou pour aller payer une Kalachnikov. Non, de vous à moi, en Afrique, un enfant des pauvres. Un étudiant peut prendre l'argent ou pour aller payer et puis nourrir même des rebelles. Non, quand vous vous asseyez là. Même si tu ne connais pas les kilos là, le poids là. Quand tu vois un sac qui est plein là, tu comprends comment le sac est plein. Je vais vous montrer une preuve.
Voici, c'est un sachet qui est là. Il est vide. Le sac, il est vide. Même si tu ne connais pas, là, tu sais qu'il est vide. Mais là, quand il y a quelque chose dedans, tu sais qu'il y a quelque chose dedans ou pas. Donc, ça veut dire que si tu ne connais pas même le kilo, le poids, mais quand il y a quelque chose dedans, tu sais qu'il y a quelque chose dedans, je vais si ce n'était pas dedans. Mais quand tu dis qu'il y a quelque chose dedans, vous voyez? Vous voyez? Mais ici, là, il n'y a rien. Il faut le plier. Comme ça. Mais quand tu mets le pépé dedans, comme ça, là, vous voyez? Il sent quelque chose dedans. Il y a un poids. Donc, on dit en djoula, qu'au animal kilo, là, il a brofan non. Qu'au animal kilo, là, il a brofan non. Je préviens ici les membres du RADP qui sont là. N'oubliez pas, je m'appelle la cachette facile, facile. Donc, quand tu viens sur ma page TikTok ou Facebook, je te bloque. Moi, je n'ai pas le temps. Quand tu viens ici, ni bâtard sauter. Donc, je suis sur mon TikTok ici, là. Tu viens ici, tu mets un commentaire, tu bloques. Je n'ai pas le temps pour les cochonneries. Tu viens ici sur mon TikTok, ni bâtard sauter. Donc, si tu viens, tu te tais. C'est moi le maître ici. Je suis le seul patron. Donc, mi coup de gueule. Est-ce que le chien est bon? Ok. Donc, quand tu viens ici, tu es RDR, le patron, c'est moi. Le berger, c'est moi. Tu mets un commentaire, bande de con, m'écoutez. Mordé. Donc, Alima Borolo, Alima Kilolo, et Kaboro Fanlo. Donc, c'est pour vous dire, vous qui m'écoutez ici, Guillaume Soro, un étudiant, prend l'argent pour parler pour les armes. Mais tous les Ivoiriens connaissent. Depuis quand un bébé peut aller prendre, faire le biberon, un bébé de 3 mois, un bébé même de 3 mois, peut aller dans la cuisine, aller prendre le biberon, laver, ouais, stériliser, mettre le lait dedans, mettre de l'eau, mettre dans les micro-ondes, et puis chauffer, puis boire lui-même, un bébé de 3 mois, ou un bébé de 1 mois. Hein? Jamais de la vie, c'est impossible. C'est mathématiquement impossible, c'est scientifiquement impossible, c'est humainement impossible qu'un bébé de 3 mois puisse se lever, aller dans la cuisine, aller prendre de l'eau, n'est-ce pas, de l'eau, n'est-ce pas, minérale, mettre dans la bouteille, dans le biberon, et puis mettre du lait, et puis mettre au micro-ondes pour chauffer, puis aller boire. C'est pas possible, ça. Donc, Guillaume Soro ne pouvait pas payer, ne pouvait pas entretenir une rébellion. C'était impossible. Un étudiant en Afrique, il gagne quoi? Il a un salaire. Il est boursier. Même s'il est boursier, il a combien? Il a 100 000 francs. 100 000 francs pour payer une Kalachnikov qui coûte 150 000 francs à l'époque? Non. Alors, Guillaume Soro n'avait pas le moyen. Il n'avait pas les relations pour pouvoir le faire. Il se retrouve où aujourd'hui? On l'appelle aujourd'hui rebelle. À cause de Ouattara. C'est lui qu'aujourd'hui qui est en exil. Il est en exil aujourd'hui, là. Il vit maintenant un paria. Selon eux. Les lieux n'est pas sans abri selon eux, n'est-ce pas sans domicile selon eux, sans moyens selon eux. Mais je dis, ils font quoi? C'est qu'ils les déniquent matin, midi, soir. Alors, frères et sœurs, quand on parle d'ingratitude, là, c'est cela. Peuple du Burkina et du Mali. Aujourd'hui, là, vous avez hébergé ces personnes-là. Voilà, n'est-ce pas ce qui vous retourne. Ils n'ont jamais été vrais. Ils n'ont jamais été sincères dans les relations humaines. Ils n'ont jamais été véridiques dans les relations humaines. On le voit à suffisance. Voilà pourquoi je dis aux Maliens, au peuple du Mali et du Burkina, le peuple du Niger, le peuple d'Afrique, c'est-à-dire que tous les peuples, même du Togo, du Bénin, il y a un monsieur qui est un vassal, qui est un valet, n'est-ce pas, qui est celui-là même qui représente pas la corruption étatique, la corruption humaine, Ouattara. N'y fait pas confiance. Ouattara, ça, je ne peux pas vous dire, c'est le démon incarné, c'est vraiment le Machiavel incarné. Vous, quand vous lisez les livres, les princes de Machiavel, c'est Ouattara typiquement parlant. Ouattara aujourd'hui, c'est lui même qui garde le travail des gens partout. Il n'a jamais été vrai. Peuple du Mali, votre frère a été arrêté. Votre frère Mali a été arrêté, sa faute, là, c'est ma page Facebook. Merci beaucoup, Fatima Le Diamant. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être là, Maman Douchka, Konali dit, je vais arrêter dans 2 minutes. Peuple du Mali, je vous informe, votre frère a été arrêté. Nous qui sommes fils, n'est-ce pas? Nous qui sommes malinqués, nous qui sommes les Bantous, on ne peut pas laisser cela passer. Nous qui sommes Ivoiriens, nous avons nos origines. Je le dis, moi, j'assume pour moi. Mes origines maliennes, mes origines guinéennes, mes origines burkinabè, je ne cache pas. Je ne dois rien à personne. Et c'est pour ça que je viens ici dénoncer avec la plus grande énergie l'enlèvement de l'artiste malien en Côte d'Ivoire. Je le dénonce parce que c'est vous qui avez fait hier Alassane Ouattara. Ouattara est né au Burkina. Il a grandi au Burkina. Le Burkina ne lui donnait pas le bouche d'études. Le Burkina a donné à Alassane Ouattara bouche d'études, passeport diplomatique, travail, tout. Ouattara a refusé la terre de ses ancêtres. Aujourd'hui, c'est lui qui persécute les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les Guinéens et j'en passe. Ceux-là, lui et ses suiveurs, ils n'auront pas de refuge, ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger, ni en Guinée, ni au Ghana, ni au Togo, ni au Bénin, partout, ils n'auront pas de refuge, je vous le dis. Avant, ils avaient une seule base arrière, qui était le Mali, c'est fini. Burkina, c'est fini. La Guinée, c'est fini. Le Niger, c'est fini. Même les Sénégal, c'est fini, parce qu'ils sont rejetés partout.
Donc, ils sont dans les derniers soubresauts. Des ingrats qui vont mourir, n'est pas de leur belle mort. D'ingrats fiefs. Cette vidéo, c'était pour rendre hommage au peuple malien, au peuple burkinabé, et dénoncer avec la plus grande énergie l'enlèvement des artistes maliens en Côte d'Ivoire par Ouattara et son régime. Cet artiste a été invité. TikTok, partagez la vidéo. Il faut que tout le monde commence à parler de ça. Pour qu'il nous donne les nouvelles de l'artiste malien qui a été enlevé par les Ankangoulés, des hommes armés de Ouattara à Bouaké. Il a été invité. Et ce soir que je viens d'apprendre la nouvelle, parce que vraiment ça m'a échappé. Je demande pardon au peuple du Mali, que leur fils n'a pas pu voir, n'a pas vu cette information. Donc je vous demande pardon. Mais vous voyez à cette heure je me rattrape, parce que le Mali est dans mon corps, et dans mon sang, dans mon esprit, et dans mon ADN, et dans mon verbe, et dans ma conscience, dans mon intellect, et dans mon cerveau. Et donc je vous demande pardon, que je n'ai pas vu cette information à temps. Mais il n'est jamais trop tard pour ne pas pousser à rattraper. Alors je me rattrape. Nous allons commencer cette communication pour dénoncer l'enlèvement d'un artiste malien en Côte d'Ivoire. Sa photo est là. Je vous montre sa photo. Vous voulez voir, je vous montre sa photo. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Ah, ben dis donc. Je vais montrer sa photo sur le rapidement. Voilà. C'est lui qui est là. Je vais montrer sa photo. Merci, c'est lui qui est là. Vous tapez, voilà, c'est lui qui est là. Partagez la vidéo. Moi, je ne vais pas. Il s'appelle Youssouf Tapo. Il a été arrêté le 11 novembre 2023. Voilà. Le 11 novembre 2023. Voilà. Il a été enlevé le 11 novembre 2023. Youssouf Tapo. Bon, s'il est parti avec les armes, s'il voulait faire coup d'État, il a fait tout. On va avoir les nouvelles. C'est lui qui est là. Voilà, c'est lui qui est là. Youssouf Tapo. Et ça, c'est le RDA qui partage ça parce qu'il voit, il a pris photo avec le ministre d'État. Donc pour eux, il n'a pas le droit de prendre des photos. On a vu des artistes ivoiriens qui vont chanter au Burkina, qui prennent des photos avec les hommes d'État de Côte d'Ivoire. C'est pas pour autant qu'ils rentrent au Burkina et puis ils sont arrêtés. Je suis désolé. Alors que le Burkina, Mali et le Niger, c'est le Sahel. C'est trois États unis. La laine n'est pas l'État d'Israël. Donc quand tu vas au Burkina, c'est lui qui est parti au Mali. Tu vas au Mali, c'est lui qui est parti au Niger. Donc c'est le même État. Donc ils prennent maintenant la photo, ils collent avec. C'est comme de manière qu'ils ont interdit le conseil des salariés qui était en Côte d'Ivoire. Sous le président Falassé, que non, qu'il est avec le régime de Assimi Goïta. Parce qu'il soutient Assimi Goïta, mais c'est son pays, c'est un qu'il veut. Maintenant, quand il sort du Mali, n'est-ce pas, il est intercontinental. Mais ses aboutis du RD n'ont rien compris. C'est lui qui est là. Voilà. C'est un imbécile, là. On va régler le sujet de ce monsieur qui a été arrêté. On va pas vous laisser faire ça. Vous êtes malade. Vous battrez de nous. Qu'ils ont arrêté. Voilà. C'est lui qui est là. Vous pouvez comment vous laisser faire? C'est lui qui est là. Voilà. Voilà, TikTok, partagé partout. Facebook. Merci beaucoup, Fatim, pour... Voilà. Donc, je m'arrête là. Prenez soin de vous, Kacha, je t'invite. Merci beaucoup à toi, Fatim, évidemment, pour le travail que tu fais sur TikTok. Au bel bâtard sur tes blogs, on n'a pas le temps. On a plus de 100 000 abonnés, beaucoup, beaucoup, donc on s'en fout. Je dis qu'on a merci beaucoup à toi pour le travail que tu fais au niveau de Facebook. Je vous adore, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Soutien total à l'artiste malien enlevé par le régime de Ouattara à Bouaké. On est ensemble. Merci beaucoup. Alors, chers amis Afrique de Liberté, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers peuples d'Afrique, c'était l'intervention de votre serviteur, l'amiral Ogbafé. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette journée de mardi 5 décembre 2023. On est ensemble et n'oubliez pas, en tout cas, de vous abonner. Si c'est la première fois que vous nous prenez en marche sur cette plateforme panafricaine, n'oubliez pas de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est très très important. Alors, on est ensemble et j'aimerais vous dire encore merci. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de ce direct. Merci à vous depuis vos différents bords. Merci à vous depuis vos différentes positions. Ça a été vraiment un plaisir pour moi aussi d'être en votre compagnie. Portez-vous bien, que Dieu soit avec vous, qu'Allah vous assiste. Tôt ou tard, en tout cas, il fera jour en Afrique. Bientôt, Afrique de Liberté, nous allons remporter la grande bataille, la guerre. Voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Bonjour chez vous.
Merci à tous, merci à toutes. On est ensemble, portez-vous bien. Au revoir, ciao.